Dans l'actualité, ancien président de la République, là, général Henri Nanfi, mouri mardi 26 juin, dans l'âge 85 l'année d'après ça, TNH apprend bon côté proche famille défunt. Général Nanfi, qui fait 2 novembre 1932 dans Cap-Haïtien, tape souffrir depuis un bon bout de temps avec une maladie qui était dans le stade avancé. L'autre nouvelle, travail, construction route, Carrefour Méridien, du 6, la reprend après 3 mois, l'été fait camper. Équipement et techniciens CNEO mobilisés pour remettre pressé 700 mètres route asphaltée dans le jour Cap Vinilayo, yon façon pour commencer à améliorer la circulation dans la zone ça. L'autre nouvelle, Banque Interaméricaine Développement présenté mardi 26 juin bilan sous participation et collaboration dans la caravane changement sorti octobre 2017 rivé juin 2018. Représentant résident BID en Haïti, Luis Cordo Echebarria dit yo satisfait pour collaboration avec Haïti. Luis Cordo Echebarria fait qu'on ait un montant qui alloué à caravane changement, c'est environ 15 millions de dollars américains pour appuyer plusieurs projets en cours infrastructure routière qui rail rivière avec achat équipement. L'autre nouvelle, dans l'occasion de la conférence spéciale ministère communication mardi 26 juin, ministre Kilti à communication Joseph Guilherme Cedelva parlé sous différents programmes sociaux. Ministre Guilherme Cedelva annoncé yo recommencer avec différents programmes sociaux tant coup ti maman chérie restaurant communautaire dans l'idée pour accompagner moun ki plis pa gen moyen. Pour finir, à l'étranger, bateau Lifeline qui a transporté 233 migrants à Bali, joue une autorisation campée dans la ville Malte. C'est 6 pays européens parmi eux, la France et Portugal, qui décident d'accueillir les migrants. C'est sur notre ça, amis téléspectateurs, nous mettons en bout notre troisième sortie actuelle. Bref, nous pour ce maintenant. Nous te prenons pile plaisir pour informer vous. Restez branchés à la télévision nationale d'Haïti pour suivre la reste programmation. Bye bye tout le monde. C'est Zemaili qui avait déclenché les hostilités, égalisation de Kendall Watson au forceps, et puis les Suisses ont inscrit un second but par quelqu'un qui n'avait pas démarré le match. Il s'agit de Dermic, mais jusqu'au bout, ils ont continué à se battre, ils ont relevé la tête et vont repartir, bien sûr, avec au moins la satisfaction d'avoir tout donné, de s'être totalement dépensé, et ils obtiennent ce match nul. On a bien compris que le Costa Rica n'avait pas les moyens d'aller plus loin dans cette Coupe du Monde, comme ça a été le cas il y a 4 ans au Brésil. Mais toujours est-il qu'ils tiennent en échec la sélection suisse de football. Peut-être qu'ils vont nourrir quelques regrets, mais il est déjà trop tard. Alors que dans l'autre rencontre qui a opposé le Brésil à la Serbie que vous venez de vivre, les points positifs de cette rencontre, d'après vous-même, qui sont à Kadioye, mon cher Guy. Bon, et dans le match Brésil contre la Serbie, c'est une équipe brésilienne appliquée, sérieuse, forte tactiquement et même mentalement. Donc, c'est pas une grande équipe du Brésil, mais au senti, son équipe qui a monté graduellement en puissance dans la compétition. Donc, à Brésil, sans forcer, eh bien, gagne équipe Serbe. Là, c'est vrai que ça a commencé très timide pour les Brésiliens, qui étaient paraît poussifs dans les premières minutes de la rencontre. Mais au fil des minutes, eh bien, Brésiliens, ils ont pris confiance, ils ont gagné en confiance jusqu'à ce qu'ils aient imposé le rythme. Ils ont fait un premier goal par l'intermédiaire de Paulinho en première mi-temps, et puis dans la deuxième mi-temps, Thiago Silva a libéré l'équipe brésilienne. Donc à ce moment-là, le Brésil a gagné le contrôle. C'est très bien. Donc le Brésil est capable d'avancer. Donc c'est une équipe qui a appliqué. Nous pensons que le Brésil est capable. Ne vous en faites pas. On va tout à l'heure retrouver donc, à travers les rues de Port-au-Prince et bien sûr cette ambiance qui règne. Mais d'abord, je vais demander à Itala comment qu'il lecture d'ensemble que l'ouest de ce Brésil-là. Une équipe brésilienne, je dis, qui a gagné un plan bien tracé, avec 3 temps. Un premier temps, nous sommes capables de contrôle, parce que pas de prendre risque là-dedans. Ils ont attaqué dans le moment opportun. En deuxième temps, c'est temps après qu'ils ont mené 1-0, ils ont une obligation tout pour qu'ils prennent soin, pour mener le match là, ils défendent sans ballon. Troisième temps, c'est leur fin de faire deuxième goal là, nous capables de dire son temps, côté que l'équipe l'a libéré, nous ouais, un autre Brésil, un Brésil qui gagne une meilleure circulation, un Brésil qui montre par moment tout que y'a gagné un football avec fluidité, avec un pile mouvement, donc une victoire méritée pour l'équipe brésilienne, non. Et je nous dis là, une équipe qui vraiment a monté en puissance, nous ouais, que Neymar aujourd'hui a comprendre et interpréter que football là, son sport collectif lié, pour le gain ballon, faut que l'autre monde participe, et vraiment, moi,
nous pensons que l'équipe Brésil la jodia, surtout défensivement tout, Perla li te gen pile coordination, te gen pile équilibre. Donc nous pensons que c'est un très bon match de l'équipe Brésil. D'application Saint-Louis-Chanel Central. Alors on va voir comment ça se passe du côté d'aller de Port-au-Prince. Et maintenant retourner quand même et continuer les commentaires. Si vous êtes prêts du côté de la réalisation, nous aussi nous sommes prêts pour avoir donc pour vivre cette ambiance spéciale. On connaît la ferveur, la passion que suscite la Célessaro dans notre pays. Eh bien, Guinlay au Port-au-Prince, Naptonio, dès que vous prêt, vous capable de faire un signe. Voilà. Oui. Voilà, une ambiance en fait dans les rues de Port-au-Prince. Voilà, voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça y est. Ici, là, dans la base relax, dans la rue, au soir durant, population prend la vie après victoire, c'est là. Quand même, c'est la joie, c'est la fête, c'est l'ambiance. Quand même, il y a une victoire qui est en cherche aujourd'hui de la manière. Oh, t'es qu'elle a aimé. Fier de que moi, je ne peux pas parler. Presque, je ne peux pas pour me dire. Je suis fier d'être une brésilienne. Une équipe qui passe, je me fais honte. Comme si qui toujours fait fier de moi. J'aime tellement content. Et pas tout ce pas moi pour me péter. Parce que l'équipe est qualifiée pour 8e de finale. Qui ça qui m'a connu dans le match là? Bon, ça m'a marqué dans le match là. C'est que M. Servio est tellement haut, et votre nouvelle cabane en volte, alors que nous avons le bon Thiago Silva qui va en volte. Ça fait un plaisir, pile. Jodi à l'Allemagne éliminée, vous voulez pour l'Allemagne? Non, je ne vais pas plaire à l'Allemagne éliminée, parce que je vais vous pour éliminer l'Allemagne. Et puis, qui pour m'éliminer l'Allemagne, ça va être l'Allemagne Jodi. Donc, cette compétition, comment vous souhaitez? Je souhaite que vous Brésil champion Coupe du Monde, année ça, que ça a un jeté de bataille à faire face à l'Allemagne, que moi-même, ma belle année, ça m'a champion. Voilà, merci, merci. Nous avons l'autre ami avec nous, amis. Une victoire pour Brésil contre la Serbie 2-0. Qui est pression après? Bon, après ça, m'a dit pour entraîner, un jeu pour plus motiver messieurs, pour messieurs qui ont passé 8e de finale là. Et ensuite, pour nous garder finale, venir demi-finale pour Brésil champion, pour Neymar qui a levé pour me coupler avec Brésil. Voilà, merci. Merci. Une victoire pour le Brésil, nous sommes bien un moment. Je suis touché, tu nous sais, moi-même, moi connais le Brésil, c'est grand pour nier, moi-même pas peur, elle a habitué de souffler, je connais le Brésil, le Brésil n'était déjà champion déjà. Ouais, regardez là, pas le Brésil, en bois, pas le Brésil. Voilà, victoire pour le Brésil, comment ça se fait? Nous sommes fiers, il y a quelqu'un, quand il y a le Brésil, nous allons jamais battre la bataille. Adversaire qui est en tout, qui va lancer dans la finale là, tout nous compte. Et ça, le télé national, à tout gars qui a pris la télévision là pour nous. Nous-mêmes, Brésil, nous prenons. Adversaire, nous gagnons qui champion, qui dans la finale là, tout nous compte. Nous ne pouvons pas faire Brésil, la Jotine, puis dans cette bagarre encore. Pour la médecine, content, nous saluons le télé. Nous, tout le monde qui a fait là, qui s'est fanatique Brésil, et pour ça, comment est-ce? Fanatique qui est-ce? Brésil. Ça, comment est-ce Brésil? Vous aimez l'équipe là? Oui.
Voilà, merci. Voilà, voilà, mesdames, messieurs, nous détrouvons nous là, dans rue au soir durant, dans la base relax, côté population, prend la rue pour y fêter, pour y célébrer, après victoire ça que Brésil fait contre la formation Serbe de football que l'y bat 2-0. C'était Pierre-Miguel Pierre-Gilles pour Télévision Nationale d'Haïti. N'a pas rappelé à tout autre téléspectateur, Brésil a bien pour le rencontrer Mexique 2 juillet qui a fini là à 2h après-midi. Brésil premier coup de PA. Deuxième pour un plan. Voilà, regardez un peu cela. Merci studio, l'internet à vous. Voilà, c'est la folie, la passion, la ferveur populaire. Le Brésil vient de gagner. La vie peut être belle parfois, surtout pour les fans du Brésil qui sont très nombreux ici en Haïti. Pour nous capables de retourner sur le plateau avant nous fermer, choix, messieurs, il y en a un aspect important pour nous souligner, c'est la grosse prestation, notamment en seconde mi-temps, de Neymar, Guy Petitfrère. Oui, et Neymar aujourd'hui a réalisé un très bon match, meilleur match lié depuis la compétition a commencé. Neymar qui était essuyé pas mal de critiques et en raison de prestations mitigées, surtout face à la Suisse. Eh bien, Neymar senti progressivement l'a amélioré. Neymar vient beaucoup plus collectif, il vient un joueur d'équipe. Jodi a, c'était un très bon Neymar qui aidait l'équipe là dans l'élaboration collectif. Oui, et puis il y a une justesse dans passe, la transmission ballon en fait et avec facilité. Donc c'est bon signe pour cette équipe du Brésil qui est certainement a monté en puissance graduellement dans la compétition. N'a pas le tout abordé match qu'a pas gagné, même si on a fait des commentaires à tout sur Neymar Kochita là. Alors demain c'est la der des der. C'est-à-dire ces dernières journées dans la phase de polio, capable de jouer là, demain, jeudi 28 juin 2018. Après ça, on pause, qui c'est vendredi 29, et puis bagage sérieux, on commencer dès samedi, les 8e de finale de cette Coupe du Monde, ô combien spéciale, certains pourraient même dire singulière, avec l'élimination au premier tour du prédateur allemand qui est KO. Alors, on a gagné d'abord à 10h deux matchs dans le groupe Ashland, Sénégal, Colombie, Japon, Pologne, du côté de Volgograd, qui sont pensés de deux matchs, Kochitala rapidement. De toute façon, moi-même, je souhaite voir l'équipe Colombie encore, surtout après la dernière prestation. Nous avons vu James Rodriguez qui a gagné au niveau supérieur, transformé tête en véritable leader de l'équipe. Nous avons senti que l'équipe est très compacte. Nous avons vu que l'œil au ballon, projet à son projet qui est bien défini, bon traitement ballon. Nous avons vu, surtout avec Cuadrado, joueur qui a gagné de débordement qui a gagné dans la zone. Nous avons vu encore Falcao lui-même qui a joué un instinct de buteur. Vraiment, moi, t'as aimé, ouais, yo. Pas oublier qu'en Amérique du Sud, c'est 5 équipes qui participent dans la compétition, qui ont gagné 3 là-dedans, qui qualifient. Donc, demain, il y a Colombie, tout, qui a une possibilité pour qualifier. Nous allons regarder pour nous. Est-ce que vraiment, il est capable de gagner le niveau et montrer nous dans le dernier match? Très belle démonstration de force de la Colombie face à la Pologne, Guy. Il y a deux autres matchs encore capables de gagner. On va tout profiter, font un petit commentaire sur eux. Décidément, il n'y a rien à dire concernant l'autre rencontre qui va opposer du côté de la Mordovia Arena, l'équipe tunisienne en face, à, bien sûr, au Panama. Et puis, il y a le choc du groupe G entre l'Angleterre et la Belgique du côté de Kaliningrad. Ces deux équipes qui déjà qualifiées, l'Angleterre et la Belgique, qui fait forte impression dans le groupe là, c'est deux favoris. Donc c'est très logiquement, c'est l'Angleterre et la Belgique. C'est la bataille pour la première place du groupe. Justement, c'est bataille pour la première place qui pourra le faire, puisque deux équipes ça a gagné le même nombre de points et différents débuts à ces mêmes liés également. Donc c'est bataille pour la première place qui pourra le faire là entre l'Angleterre et la Belgique. Voilà, c'est venu le temps, bien sûr, de partir, de tirer notre révérence après ce superbe match, surtout en seconde mi-temps, un match sérieux. C'est qualificatif, ça m'a utilisé pour me parler de match brésilien, très sérieux, parce que le Brésil peut encore faire mieux, peut encore monter en puissance pour le grand bonheur de ses nombreux fans ici en Haïti. N'a pas remercié direction télévision, n'a pas remercié les gens qui te permettent de joindre match football là, la présidence, ONA, OFATMA, ETRAC, sans oublier la BNC, le DH. Il y a bien sûr Top Tires, Euroceram, sans oublier bien sûr César, et puis Criolito, Ofatma Kilato, et puis Motocyclette Honda, une tradition d'excellence, institution chrétienne d'Haïti. Je pense qu'on a fait le tour. Sans Monsayo, pas de chance en vivre Coupe du Monde dans ce TNH. Encore une fois, nous leur disons merci et nous souhaitons un joyeux anniversaire à son excellence, Jovenel Moïse, président de la République. Merci également
à la réalisatrice Jasmine Losmé, Guérina Faubert. Il y a Emmanuela Turpin derrière cette caméra qui est en face de moi. Merci. Sans oublier Gérard qui est là, les Scoufflers, et bien sûr Gerville, Rodney Michel. Merci à tous et à toutes. Mais la journée est loin d'être terminée puisque nous serons encore sur le plateau ce soir pour une émission spéciale.